j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. J'ai déjà fait mon teint puisque ce sera une vidéo spécialement sur la Dior. La Dior Backstage, la 001 Warm Neutral. Ça fait un moment que je vous dis que je vais vous faire quelques petits make-up. Ce sont vraiment pas des tutos, je ne suis pas du tout une professionnelle. Je suis juste une amatrice, j'aime comment moi je me maquille. Maintenant, c'est pour vraiment vous présenter ce genre de petites palettes. Il va y en avoir tout au long de l'année ce genre de make-up avec toutes les palettes que je peux posséder et que je peux acheter plus tard. Donc c'est parti, on va commencer, je vous laisse avec la suite. Donc c'est parti, je vous présente cette petite palette qui contient 8 fards et un fard crème qui sert totalement de base, un primer on va dire. Donc moi je l'applique sur toute ma paupière ainsi que sous l'arcade sourcilière pour vraiment avoir un make-up qui tienne vraiment toute la journée. Ensuite, avec un pinceau estompeur, j'utilise la teinte Shimmer Brown sur tout le creux de paupière externe jusqu'à l'entrée du creux de paupière interne, on va dire. Et j'estompe, j'étire bien la matière. J'essaye de l'étirer aussi un petit peu au niveau de l'arcade pour un make-up un peu plus gros, plus grand, etc. Ensuite, j'utilise la teinte Matte Charcoal juste au niveau du creux de paupière externe. J'étire pas trop, j'estompe pas trop non plus pour avoir un côté extrêmement creusé parce que moi j'ai une paupière qui est assez tombante. Puis sur toute la paupière mobile, j'utilise le Shimmer Copper qui est un doré beige qui est très très joli. Et très naturel également. De toute façon, cette palette-là est extrêmement naturelle pour un make-up de tous les jours. Moi, j'aime énormément. Et dans le creux de paupière interne, j'utilise la Shimmer Beige pour donner un petit coup de lumière. Bref, donc voici mon petit make-up de tous les jours. Moi, j'adore cette palette pour vraiment un maquillage de tous les jours. Je la trouve vraiment très très canon et très simple d'utilisation avec une très bonne pigmentation également. Donc voilà, on se retrouve avec le make-up fini. J'espère que ce genre de toute petite vidéo vous plaira. C'est vraiment un maquillage que je peux faire tous les jours, qui passe partout, que j'aime beaucoup faire. J'adore cette palette, leur base, elle est excellentissime, sincèrement. C'est vraiment une petite palette que j'aime beaucoup. Oui, c'est du Dior, mais c'est du Dior Backstage. Du coup, c'est un peu plus raisonnable niveau prix. Ils en ont des tonnes de couleurs et je peux vous dire que j'en ai une tonne sur ma wishlist. Bref, j'aime beaucoup, je vous la conseille vraiment. Je vous l'aurais mis en barre d'infos. En tout cas, j'espère vraiment que ce genre de toute petite vidéo vous plaira. C'est vraiment des petites vidéos bonus que je vais essayer de faire de temps en temps, même si je pense que ça va prendre un temps max niveau montage, mais voilà. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous envoie plein plein de bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.